Bon, on va pas y aller par quatre chemins, on va faire du canoë. Voilà, on n'est pas sportif du tout, on Je n'en a sais jamais pas à fait. quel moment j'ai eu cette idée de merde, mais ça me plaît, j'adore le canoë. C'est un truc, j'adore regarder des vidéos de canoë. Mais le pire, c'est que j'ai pris un parcours, le plus gros parcours, alors qu'on n'en a jamais fait. Il a pris le parcours sportif. 20 km. On va Voilà. faire 20 km de Ça canoë, dure on n'en a jamais fait. 5 heures. 5 heures. Même c'est 5 heures du point A au point B. On va faire du canoë. Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus, vous en faites ce que vous voulez, vous regardez pas. Là déjà on a perdu la moitié de l'audience, sachez-le. Au vu du titre, de la miniature et de ça, on a perdu la moitié de l'audience. Vous restez ou pas, je vous laisse 2 minutes le temps de partir. Mais du coup on va à côté de chez nous, à Crécy-la-Chapelle, à une vingtaine de kilomètres de chez nous. Et on va faire du canoë, en fait je pense que tu l'as répété à cette fois, on va faire du canoë. Ouais mais c'est pour qu'ils apprennent bien, qu'ils se rendent compte qu'on est quand même sur une chaîne de Disney Oui. à la base. Et qu'on va faire du canoë, parce qu'on aurait pu On va faire... faire quoi? On va faire du canoë. On aurait pu faire la réouverture de Disney comme tout le monde, tu vois, tranquille, au sec. Mais Mais non! non! C'est bon, mieux faire du canoë. Bah oui. Donc voilà. Donc on va y aller. On Et va puis faire on va faire du du canoë. T'es prête avec ton beau gilet? Bah il faut, hein. Il faut. On va les pagayer. Bon, en vrai, ça va. Ils nous ont laissé un peu comme ça. Enfin, vraiment un peu à l'arrache, mais c'est oui, que ça. On nous a vu vraiment, expliquer, voilà. C'est Tu parti, sais que on t'as y des va. balises, faut suivre les balises. Ça a pas l'air non plus très compliqué s'ils te laissent comme Non. ça, ça va. Il y a Canaïs qui n'a jamais pagayé de sa vie, donc on va voir ce que ça donne. Mais c'est parti? Ouais, c'est vrai que c'est un peu lourd. Tu vas prendre l'arrière ou l'avant? Vas-y, essaye l'arrière, va. Ouais, Essaye je l'arrière. pense. Tu me dis, au pire, je le tracte. Hein. Tu vas pas y arriver. Non, laisse tomber, laisse tomber. Vous voyez déjà, je commence. Ça commence. Ça commence. Je fais tout. Je fais tout. Toi, tu fais quoi? Je fais rien. Salut les amis, après un départ catastrophique, on est sur l'eau, c'est plutôt agréable pour l'instant. J'ai dû le mettre le pied dans l'eau parce qu'on s'était coincé dès le début. Bon, c'est pas de notre faute, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, il a pas plu depuis quelques temps là. Malgré qu'on soit en région parisienne, ça fait quelques temps qu'il a pas plu. 5 minutes later. Et là Naïs se démerde plutôt pas mal. Bon un peu, on se barre un peu en couille hein, mais donc va falloir vite que je lâche le téléphone. Ah bah d'ailleurs je crois que maintenant. Mais non du coup c'est plutôt cool, c'est très agréable et ça fait du bien avec Covid et tout d'être un peu en nature quoi. Bah allez, je vais pas gagner parce qu'il va faire la gueule. Moi bien, on va passer notre premier mini barrage, on va dire. On est à un moulin, premier moulin. Donc déjà, c'est qu'on est sur la bonne route. Anaïs est dans le mal. On va filmer ça à la GoPro.
On n'est que deux canoës, Anaïs et moi, et un autre groupe de deux. Enfin, ça, c'est que deux par deux ans. On a réussi à les coincer à cause d'Anaïs. À cause de moi, n'importe quoi. Dis un mot pour ta défense, vas-y, les gens t'écoutent. Bah, c'est pas à cause de moi, on est deux dans le canoë. Non. On s'est mis en travers dans la descente, et du coup, ils ont voulu nous éviter. Le problème, c'est que la dame, elle a perdu sa pagaie. Du coup, il galère à remonter pour choper la pagaie. Ah, il est obligé de descendre, le mec. Ah, je crois que c'est bon, ils ont la pagaie. C'est bon ? Vous vous rendez compte ce qu'elle a fait, Anaïs ? Voilà, donc je veux un hashtag Anaïs la méchante. Mais non, j'ai pas fait exprès. Voilà. Pas moi, ouais. Voilà. Donc pour la peine, Anaïs va paguer pendant une heure. Là, il est obligé. Voilà. Donc monsieur, s'il faut passer par là, on est désolé. Surtout Anaïs, dis-le. Bah oui, je suis désolé pour eux, mais c'est pas ma faute à moi. Hein. Voilà, elle est désolée, c'est de sa faute. Oui, c'est totalement de sa faute. Bon, première bonne nouvelle. Il est midi. Enfin midi passé, et on a fait plus de la moitié du parcours. Mauvaise nouvelle, on trouve pas de bon coin pour s'arrêter pour manger parce que j'ai la dalle. Vous imaginez même pas. En plus Anaïs ça pagaie pas. C'est moi qui reste pagayé pendant qu'il vlogue. Hein. Regardez. Bien, lui. C'est pour avoir créé un accident tout à l'heure. Ah bien sûr. Du coup on cherche un bon spot pour se caler, pour manger un bout parce qu'il fait commence à avoir. Je commence à avoir très très faim. Voilà, on continue de chercher. En espérant qu'on trouve, parce que ça commence à être long. On a enfin trouvé un petit spot. Pour manger. Elle vient de taper une crise de panique. J'ai jamais vu ça. Je l'ai jamais vu comme ça. On a passé, je sais pas si vous voyez les petits déversoirs là-bas en fait. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de pression et ouais, du coup elle était pas bien. Ah, mais il y a les collègues, ils arrivent. Ah, ils arrivent. Ouais. Du coup elle était vraiment pas bien. J'ai dû descendre pour pousser le canoë et tout parce qu'on s'était à moitié bloqué. On savait pas s'il fallait passer par là parce que c'est vraiment de la pente raide. Hein. Ouais. Et on s'est dit c'est pas possible, c'est pas par là. Mais l'autre chemin était barré donc il a fallu faire un peu le sens inverse à contre-courant. Trouver l'endroit le moins pentu. Mais c'est passé. Et moi j'ai paniqué. Mais je suis trempé, mais c'est passé. Bref, du coup on va manger parce que j'ai très faim. Il nous reste environ 7 km je crois. Ouais. Donc on a vraiment fait la plus grosse partie. Et là on va se poser un peu je pense pendant une petite heure. Et bah, après on va repartir pour les 7 derniers kilomètres. Ça y est, on est dans la dernière ville, plus que 4 km environ. Anaïs là on en a marre, ça y est. Non. Bah, ouais j'avoue, en vrai les 20 km se font bien pour des débutants, mais j'avoue que t'es claqué quoi. J'ai les mains, elles sont en feu, surtout les mains et les bras en fait, ouais. Et le dos. Parce que c'est un truc en plastique donc ça fait un peu mal. Mais ça se fait bien, franchement ça se fait bien. Là je crois qu'il reste un gros déversoir, un déversoir à passer et après on a fini. Donc ça va aller. Hein, ça va aller. Bah oui. Ouais, allez à fond. Mais on est arrivé à Crécy-la-Chapelle et on croise enfin d'autres canoës. C'est à dire des Espagnols. Du coup, on est content là parce que je commence vraiment à avoir marre. On commence à être claqué là. Donc, je pense qu'on va les doubler et on va aller se poser et rentrer tranquillement récupérer notre chat à la maison.
Ça y est. C'est fini. Nous sommes enfin à terre. Ça fait du bien, je n'en pouvais plus, je suis trempé. Ouais. Même le mec, le moniteur, était choqué quand on lui a dit que c'était notre première fois. Et il a dit ah ouais, vous êtes chauffé quand même. On a fait les 20 km. Ouais. Non, mais ouais, non, franchement, ça se fait. Mais j'avoue que c'est physique. Faut quand même avoir des conditions, hein, parce que je pense que demain on va vraiment souffrir. Hein. Je pense que demain on va souffrir et je pense qu'il faut quand même connaître un minimum en pagayage, enfin comment pagayer. Et faut pas avoir peur de descendre quand il n'y a pas assez d'eau. Enfin voilà, faut. Moi je sais que j'avais regardé un peu des vidéos sur ce cours d'eau là, donc je savais à peu près ce qu'il y avait comme obstacle. Mais je pense que si tu vas vraiment en freestyle, ouais, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Ouais. Et physiquement, ouais, c'est un peu dur. Parce que quand t'as, en temps, quand t'as passé les 12-13 km, ça va. Mais les 7 derniers, en fait, c'est que de là, des grands cours d'eau et t'as pas de courant. C'est ça, et c'est surtout qu'on s'est arrêté pour manger. Ouais. Donc on s'est arrêté, on s'est posé et c'est dur de repartir. La fatigue commence à arriver à ce moment-là. Ah ouais, non, c'était horrible. Donc là, les derniers kilomètres, c'était vraiment très très dur. Et ça se fait, ouais. Honnêtement, ça se fait. Mais voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez faire du canoë en Ile-de-France, venez chez Loc Adventure, il y a plusieurs parcours, il y a le 6, le 13 et le 20 je crois. Mm-hmm. Et vous pouvez même faire du stand-up paddle. Bon après ça, moi c'est pas la peine, mais vous pouvez en faire, sachez-le. Si c'est pas encore fait, on s'abonne, on active la cloche pour ne rien rater. Voilà. Des vidéos. Quand on veut. Quand on veut ensemble. Quand on veut. Voilà. Il y aura peut-être plus de canoë, on sait pas. Hein, si ça vous a plu, on fera peut-être que du canoë. Mais non, mais en vrai, c'est un truc qui me plairait vraiment bien de vraiment partir sur 3-4 jours comme ça, planter la tente et tout, faire une sorte de petit bivouac et tout. C'est vraiment un truc qui me plairait. C'est pas à faire tout de suite, mais pourquoi pas. Bref, si la vidéo vous a plu, le petit pouce bleu, le petit commentaire. Et puis de toute façon, on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne ou ailleurs, sur Instagram ou ailleurs. Prenez soin de vous. Ciao.